Le Premier ministre m'a rassuré du soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo à la candidature au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Ça serait pour la première fois que la RDC postule et pour la première fois que la RDC a les chances d'avoir ce poste. C'était pour assurer du soutien du gouvernement, du soutien du chef de l'État et de son soutien personnel. Il y a beaucoup d'aspects pour lesquels la RDC peut réclamer. La RDC, c'est un poumon, pas seulement pour l'environnement, c'est un poumon en termes des ressources naturelles, c'est un hub, un foyer où peut partir la logistique des transports, où peut partir l'industrialisation de toute l'Afrique, pas seulement centrale, de l'Afrique australe. C'est un grand marché potentiel aussi, ça peut, quand on prend l'Inga, il y a les infrastructures d'électricité, les infrastructures de transport, aviation, tourisme. Il y a beaucoup de potentialités quand la RDC devient, quand la RDC participe à la SADC. Vous savez, par exemple, les militaires de SADC sont à l'est de la République démocratique du Congo pour apporter la paix dans cet élan de solidarité communautaire. La RDC aussi, dans ce même élan de solidarité et de partage des responsabilités, veut impulser la SADC